Direction la Côte d'Ivoire, Zouan Ounien, Albem Apritoua-Kessé, rentre au bercail et démontre sa suprématie. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! De retour au bercail le lundi 22 février 2021 après plusieurs mois d'absence pour des raisons politiques, Albem Apritoua-Kessé, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a très vite fait grande sensation partout dans la région de Tongpi dont il est le président. Man Biankouman, Kaboukama, Guélémou, Danané, Dalleux, Don Oué, Sileux, Daplu, puis Zouan Ounien, où l'homme a fait son entrée aux environs de 17h. Apritoua-Kessé, de l'exil à la démonstration de force. Apritoua-Kessé a très vite réalisé les attentes des siens qui, dix longs mois durant, ont été allaités aux mensonges, à la manipulation, aux menaces, au chantage et à de la délation. Chez lui, à Zouan Ounien, Mabri serait mort ou emprisonné. Que n'a-t-on pas véhiculé comme mauvaise nouvelle, telle une mauvaise herbe? Adversaires politiques et détracteurs ont bien voulu le couper à sa racine, faisant partie des soutiens au militantisme de Papillon. Sa première apparition publique à Zouan Ounien, son village natal, lui a apporté une sensation de bien et de renaissance. Partout dans le Tongpi, l'effet Mabri est total. Il faut renverser la vapeur RHDP et confirmer sa suprématie. Le pari est réussi, les discours des chefs traditionnels, des femmes, des jeunes et des porte-paroles convergent vers un soutien massif. De quoi faire mentir les mauvaises langues qui avaient prédit sa mort politique. Mabri superstar, dans un peuple déjà conquis, Albem Apritoua-Kessé, le chouchou de Zouan Ounien, a su gagner le cœur des siens. Lundi, masque danse traditionnelle, danse moderne et guerrière se sont donné rendez-vous sur la place publique de Brunoville dans la ville minière. Dans l'euphorie, le président de l'UDPCI s'est laissé entraîner dans le flot des chants faits pour l'homme. Jusqu'à la tombée de la nuit, chacun a retenu de Mabri l'image d'un homme qui compte dans la politique nationale.